on a une école de construction avec trois instructeurs qui sont là pour dispenser comment on construit des avions. Trois instructeurs pilotes, puisqu'on a une école d'apprentissage de pilotage. Donc les personnes apprennent à piloter avec des avions du club sur des doubles commandes, donc sans risque pour l'avion, bien sûr. Alors une radiocommande, c'est le principe d'envoyer des informations à l'avion. Ma main droite, de haut en bas, j'ai les gaz qui sont crantés, donc le régime moteur. Les ailerons, de gauche à droite. Ma main gauche, elle, fait la profondeur, c'est-à-dire monter et descendre l'avion, et la dérive. Tu coupes complètement les gaz. Et tu fais... tourne à droite, te laisse pas descendre. Ne te laisse pas descendre. Léger droite, léger droite, droite, à gauche, doucement. Regarde, manche au ventre. Et pourtant, il y en a de... manche au ventre, ouais, entièrement, regarde, vois-tu. Ah, bah, ça, et uniquement ça, la dérive, hein. Ouais, faut travailler sur la dérive. Voilà, parfait. Très bien. On continue, parfait, remise à plat. Oui, très bien. Pour faire un avion, il faut un plan. Donc nous, on est des concepteurs, donc c'est-à-dire on conçoit les plans, on les dessine. On fait un essai, on fait toujours un avion pour nous et on le commercialise, mais on le diffuse à l'intérieur de l'école de construction de Chambéon. Pour construire un avion en venant tous les samedis, il faut un an. Il n'a jamais si bien volé.